Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes de la diaspora, dans quelques heures, 2021 fera place à la nouvelle année 2022. Cette année qui s'achève a été marquée par les douloureuses épreuves imposées à notre peuple du fait de la double crise sécuritaire et sanitaire, avec son cortège de pertes en vies humaines, de blessés, de malades, de personnes déplacées et vulnérables et de destruction de biens publics et privés. J'exprime ma compassion et ma solidarité à toutes les personnes affectées par cette situation. Tout en intensifiant la lutte, multiplions les prières pour nos héros disparus, pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Peuple du Burkina Faso, Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, au cours de l'année 2021, en dépit des contraintes endogènes et exogènes, l'économie burkinabé s'est bien comportée, grâce à l'engagement de tous. Elle a affiché un taux de croissance de 2%, un des meilleurs des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous devons cette performance à la résilience de nos populations et à la maîtrise des équilibres macroéconomiques. Sur ce registre de notre gestion financière et économique, le défi reste sans conteste la soutenabilité de la masse salariale et l'équité dans le traitement des salaires des agents de l'État, si nous voulons consacrer plus de ressources à l'investissement structurant en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. La Conférence nationale des forces vives de la nation sur le système de rémunération organisé en juin 2018 a préconisé l'adoption d'une loi organique portant principes fondamentaux applicables à l'ensemble des agents publics. Je saisirai l'Assemblée nationale à cet effet, afin que cette matière soit désormais portée par une loi organique. Au plan judiciaire, l'année en cours aurait été celle de l'accélération des procédures pour le jugement des affaires emblématiques, comme les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo. Si pour le dossier Thomas Sankara, le jugement était en cours et se poursuit normalement, celui de Norbert Zongo connaîtra sans doute son épilogue après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Je réaffirme ici mon engagement déterminé à garantir à tous le droit à un procès équitable. Peuple du Burkina Faso, compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, l'animation de la vie politique nationale a connu des fortunes diverses, en raison notamment de la suspension du recensement pour la révision exceptionnelle des listes électorales et du bouleversement du calendrier normal des élections municipales. Conformément aux nobles traditions de concertation que notre peuple et ses dirigeants ont toujours su préserver et promouvoir, j'ai convoqué une session du dialogue politique pour échanger sur les questions préoccupantes de la situation nationale, notamment celles relatives à l'insécurité aux élections municipales de 2022. Les propositions consensuelles nous ont permis de soumettre des modifications au code électoral à l'Assemblée nationale qui les a adoptées. Cependant, la décision de l'opposition politique portée par le chef de file de l'opposition de suspendre sa participation à ce cadre de concertation et au processus de réconciliation nationale est regrettable. J'ai bon espoir qu'elle reviendra sur sa décision dans l'intérêt supérieur de la nation. En tout état de cause, l'Assemblée nationale est et restera le lieu par excellence du débat politique, démocratique et républicain entre la majorité et l'opposition. Toujours au plan législatif, l'Assemblée nationale sera saisie d'un projet de loi modificatif de la loi relative aux pupilles de la nation, dans un souci d'efficacité et de solidarité envers les enfants mineurs de nos combattants tombés sur le champ d'honneur. Au plan sécuritaire, l'année qui s'achève a connu une multiplication des attaques terroristes sur le sol national. Le point culminant a été atteint ces dernières semaines, inscrivant ainsi de facto à l'ordre du jour l'urgence de renforcer les capacités tactiques et opérationnelles de nos unités. Nos forces combattantes doivent avoir le dessus sur les groupes armés terroristes. C'est le lieu pour moi de saluer et d'encourager nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, pour leur engagement exemplaire sur le théâtre des opérations. Au plan social, d'importants efforts ont été consentis, notamment pour soutenir les personnes déplacées internes
sur tous les sites de regroupement. Poursuivre la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes élargies au dépistage de cancer féminin, aux prestations d'urgence et à la planification familiale. Adopter les textes et amorcer l'opérationnalisation des services d'aide médicale d'urgence depuis octobre dernier. Achever les travaux, équiper et inaugurer le 9 avril passé le tout premier centre de radiothérapie pour les cancers au CHU de Bobo-Dioulasso et démarrer la construction de celui de Bobo-Dioulasso. Démarrer les travaux de construction de l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, maintenir le fil du dialogue permanent entre le gouvernement et les partenaires sociaux. L'occasion doit être saisie pour renouveler ma gratitude aux partenaires et aux ONG qui se battent sur le terrain dans les conditions difficiles et aux côtés du gouvernement pour apporter l'aide à nos populations confrontées aux dures réalités de la situation actuelle. Je note que c'est en conjuguant nos efforts que nous viendrons à bout de toutes les adversités qui hypothèquent l'avenir de nos laborieuses populations déjà confrontées aux multiples défis du développement durable de notre pays. Je réitère mon appel à l'union sacrée autour des forces de défense et de sécurité et de nos volontaires pour la défense de la patrie dans notre combat quotidien contre le terrorisme. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, tous les acquis engrangés au cours de l'année qui s'achève, notamment au plan des infrastructures, de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'éducation et de la production agro-silvopastorale, peuvent et doivent être renforcés et améliorés si nous intensifions la lutte contre l'insécurité avec des victoires décisives sur les groupes armés terroristes. C'est pourquoi dans la lettre de mission que j'ai adressée au nouveau gouvernement, le nettoyage des zones infestées par les terroristes, le retour des déplacés dans leur localité d'origine, la question de la réconciliation nationale et la lutte contre l'impunité et la corruption demeurent entre autres nos priorités majeures. Peuple du Burkina Faso, compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, le plan national de développement économique et social qui a été récemment adopté pour la période 2021-2025 nous permettra de renforcer les acquis sur les quatre axes stratégiques de développement que sont la consolidation de la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix, l'approfondissement des réformes institutionnelles, la modernisation de l'administration publique, le développement du capital humain et la solidarité nationale, la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Le Burkina Faso entend œuvrer inlassablement afin d'être au rendez-vous des grands enjeux contemporains pour un avenir radieux et une prospérité partagée. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité et à l'implication de tous les Burkinabés, d'ici et de la diaspora, pour réussir ce pari d'une paix durable, d'un développement économique et social harmonieux. L'avenir désirable et légitime auquel aspire notre peuple ne peut se construire que dans l'unité nationale et dans un état d'esprit patriotique qui transcende nos divergences. J'exhorte nos compatriotes des villes et des campagnes, travailleurs des secteurs publics et privés, acteurs de la société civile, partis politiques, responsables religieux et coutumiers, partenaires et amis du Burkina Faso, à œuvrer pour l'approfondissement des valeurs fondatrices de notre dignité et pour la consolidation d'une nation démocratique, forte, unie et solidaire. Peuple du Burkina Faso, compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, nous aborderons la nouvelle année 2022 avec des chantiers importants pour la gouvernance politique, économique, sécuritaire et administrative, tout en poursuivant la mobilisation générale autour de la mise en œuvre du PNDS 2. C'est pourquoi elle est porteuse de défis majeurs et d'espoir pour chacune et chacun de nous. Aussi, le gouvernement ne ménagera-t-il aucun effort pour veiller au bien-être de nos populations. À l'orée de cette nouvelle année, j'adresse ma gratitude et la reconnaissance de la nation au personnel mobilisé et sous astreinte pour assurer la quiétude de nos populations et la continuité des services publics. Je fais une mention spéciale aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie
qui sont au front. Je souhaite à tous mes compatriotes, au Burkina Faso comme à l'étranger, une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Thank you.